Voilà. Bon, bonjour à tout le monde. Alors la ZAD, c'est pas forcément ici que ça se passe. On a beaucoup parlé de Colsheim ces derniers temps. Et effectivement, on oublie un peu trop Vendenheim. Donc merci beaucoup déjà de vous être déplacé jusqu'à ici. Alors, on voulait pas trop justement parler de la ZAD, mais il y a eu un événement important qui s'est passé hier soir. Nos copains, les petits lutins des bois qui sont dans le village, vers les entours de 21h, se sont rendus compte que les barrages des gardes mobiles n'étaient plus en place sur la route. Ben, du coup, curieux, ils sont allés voir ce qui se passait en bas, et il n'y avait plus personne. Ben, forcément, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on est reparti, et puis on a continué à occuper le village, hein, évidemment. Donc on a appelé beaucoup de monde, et puis on est descendu. Donc c'est officiel, la ZAD du Moulin est de nouveau occupée. Alors, pour nous, c'était extrêmement étrange, parce qu'il n'y avait plus rien, il y avait des machines, il y avait des Algeco avec les clés dessus. On a fait attention à tout ça, on leur a mis des fleurs pour être bien sûr qu'ils comprennent le message. On nous a dit, ouais, c'est un piège, ouais, vous allez vous faire virer, ben, il n'y a pas de problème. Nous, on est là, on continue, on s'est mobilisé pacifiquement sur les deux dernières semaines, on va continuer comme ça. S'ils nous laissent la porte ouverte, on va rentrer, on ne se pose pas de questions. Et s'ils veulent nous revirer, bah, ils reviendront et il faudra qu'ils refassent les démarches et qu'ils refassent tout le sale boulot. Et dans tous les cas, alors, pour la petite histoire, ils sont venus ce matin, ils ont été un peu surpris de voir des gens au niveau du moulin. Et quand on leur a dit, bah, vous savez, nous hier soir, il n'y avait personne sur la route, il n'y avait pas de barrage, ils nous ont répondu, bon, bah, nous aujourd'hui, on nous a donné comme mission de verrouiller la route pour être sûr que personne ne circule sur la route entre Colsheim et Arnoldsheim, donc nous vous prierons de ne pas emprunter cette route. Conclusion aujourd'hui, nous sommes dans le moulin, mais on ne prend pas la route. Alors pareil, si vous voulez nous rendre une petite visite, bien entendu, comme d'habitude, quand il y a occupation, on a besoin de soutien moral, affectif, un peu à manger, un peu de soutien comme vous le pouvez. Si vous voulez nous rendre visite, probablement qu'ils ne vous laisseront pas passer par la route, vu qu'ils ne veulent pas que les gens passent sur la route. Mais il y a d'autres chemins qui y mènent, vous inquiétez pas, les ZADIS vous les montreront et tout vous sera expliqué en temps voulu. Merci. Alors,